Alors let's go hein. Moi j'ai peur de rien de toute façon, vous le savez. Non mais de toute façon on a fait tous les trucs qui nous faisaient peur. Maintenant il n'y a plus de raison d'avoir peur. Attendez, on voit rien là. Regardez comme c'est gay. Je l'avais pas déjà. Non, il va me laisser tranquille, vous inquiétez pas, c'est normal hein. C'est bon. My little pig, il me suit là ou Mais non, il me suit pas, tout va bien. La musique de l'angoisse pour rien du tout finalement. Non mais il me suit pas là. Arrêtez de faire du bruit comme ça. Non. Non mais c'est pas vrai. Je peux pas. Alors. Non mais c'est parce que j'ai pas compris le jeu encore. Allô? Vous allez bien? Ah mais faut pas dormir ici, c'est dégueulasse hein. Hein? Trouver un autre chemin menant aux douches. Mais est-ce que j'ai vraiment envie d'aller aux douches? Ok, bon non mais c'est bon ça, on a l'habitude hein, maintenant, elle est morte et tout. Pardon? Non mais y'a un mec là. Comment on fait pour se cacher déjà? Vite, accroupis-toi! Oh non, mais non! Mais c'est ça tout le long du jeu! Ah mais il me voit pas, c'est bon! On est bon! Ah mais c'est bon, regardez, mais il est tout nu en plus, le bougre! Ah c'est pas malin, hein! Ah faut s'habiller à un moment, hein! Et à un moment, il va retourner chez lui ou Non mais je pense qu'à un moment, il a fini son service, hein! On va juste attendre! Il y a bien une heure dans la nuit où on va rentrer chez lui, parce qu'il y a sa femme qui l'attend quand même. Hein? Et on peut pas moins rien voir? Parce que là, c'est quand même embêtant. Hein. Pas vous, mytho. Mais il va paraître de nulle part et je vais avoir peur, c'est ça? Il faut juste courir par là, c'est bon, y a pas de problème. Non! Il m'a pas vu, c'est bon, vous inquiétez pas. Je suis rapide comme l'éclair, vif comme les galaxies. Hop, je me cache là. Mais vite. Voilà, c'est bon, non mais le jeu, c'est trop facile. Allô? Non, taisez-vous à tout. Pardon, je suis désolé, je voulais pas vous écrire dessus. Non. Mais il apparaît nulle part. On a une vision de 2 mètres. Ça va pas du tout. Attendez, je me cache là. Il me verra jamais, c'est impossible. Je suis tombé sous le lit. Oh, on est trop fort, trop vif. Et faut aller où? Parce que moi j'aimerais bien comprendre le jeu à un moment. Ah mais maintenant qu'il a cassé les... Oui mais c'est par là. Oh mais oui c'est su. Attendez, il y a un panier là, un truc là. C'était pas un panier, c'est un ascenseur. Je vous avais dit que c'était facile ce jeu. Et ensuite faut aller par là. C'est par là que je dois aller. J'ai pas envie d'aller là. Octogone, c'est ça Octogone? Y'a un mec qui me tape. Moi j'ai fait du karaté quand j'étais plus jeune hein. Ça va monsieur? Vous voulez que j'appelle les secours? Je suis pas sûr que ce soit par là qu'il faut que j'aille, hein. Attendez, mais venez, de toute façon, c'est trop facile ce jeu. Venez, on se dit ça. Venez, on dit ça, y a aucun problème, finalement. Mais bien évidemment. Ah, mais il me veut du mal. Pourquoi vous faites ça? Mais non. Ah, mais défends-toi, vite. Allez, Michael! Vous m'aurez jamais! Je sais pas où je vais. Non, fais pas le fou! Vous voyez, j'ai plus peur! Je vous avais dit que j'aurais plus peur! C'est bon, on comprend le jeu maintenant, c'est trop facile, regardez, c'est par là qu'il faut aller. En vrai, il y aurait pas de son dans ce jeu, il y aurait pas de raison d'avoir peur. Hein? On est bien d'accord, hein? Je sais pas pourquoi je fais cette remarque, ça sert un peu à rien, c'est pas très constructif, mais j'ai besoin de me rassurer en parlant. Hein, faut que je vous parle, parce que là je sais pas trop où je vais, mais trouver une issue permettant de quitter les égouts. Oh, ça sent la merde tout ça, hein. Attendez, c'est pareil qu'il faut aller, évidemment. Là, je connais bien ça. J'ai fait ça quand j'étais à l'armée. Je m'en souviens, on devait passer dans des tuyaux, on voyait pas le fond. Alors ça me fait pas peur, hein. Qu'est-ce qui peut m'arriver, de toute façon, on est dans des égouts.
Les égouts avec un Z, bien sûr. On va passer par là, hein, parce que là, c'est rassurant. Au moins, personne ne pourra venir de notre bac. Oh, bah c'est par là, c'est su. Suivez le sang. Faut suivre le sang. On peut pas... Merde, merde. Au secours. Jeanne. Non, mais il se passe rien. C'est absolument rien de méchant, là. Tout va bien, tout va bien. Je peux monter, là? Ah oui, incroyable. Oh, je suis fort, je suis fort. Bon, qu'est-ce qui se passe, là? Ah, mais c'est la porte de tout à l'heure, ça. Oh, putain de pitié. Oh, je comprenais pas. Je comprenais pas ce qu'il y avait derrière ce truc. Bon, faut vraiment aller là, là. Non, mais j'ai pas peur. Fermez vos gueules! Non mais qui a construit tout ça? En fait, le véritable problème, c'est le mec qui a construit tout ça. C'est pas tant ce qui nous arrive. Parce que sans ce bâtiment, il pourrait rien nous arriver. Vu qu'on serait pas dedans. Ben ouais! Donc en fait, le gros enculé dans l'histoire, c'est le mec qui a construit tout ça. Oh, c'est des poissons, vous inquiétez pas. Oh, que... Non, mais on voit rien, c'est horrible. On entend des trucs en plus. Oh non, non, mais non. Il va se passer des choses, on voit rien. On va voir des yeux apparaître, c'est sûr. Attendez, on entend des bruits de chaîne. Il va se passer des choses. Allô? Il y a quelqu'un? Oh, vous inquiétez pas, hein. J'ai la situation bien en main. Faut rien m'arriver, je suis un professionnel, hein. C'est pas la première fois que je fais les catacombes de Paris. D'habitude, y'a pas ces bruits-là, mais vous inquiétez pas. Attendez, regardez, c'est bon, un escalier. Il m'a vu. Non, j'ai raté les scènes, je vais mourir comme un con. Il sait pas que je suis là. On se calme, on reprend notre respiration, tout va bien. Mais je sais pas où il est, c'est horrible. Ah, il est là, on voit ses yeux. Ok, on va le contourner, on va le brin. Oh oui, c'est bon. Attendez, je me gratte mon yeux. Oh, c'est gagné. Ah, c'est du génie ce que je fais. Non, mais attends, oh, c'est cette sensation horrible qui te remonte toute la colonne vertébrale. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Véronique, hein. Hein, j'ai commandé une chambre, c'est la 231, j'aimerais bien... Mais pourquoi le jeu bug? Mais qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Mais arrêtez. Get back, mais ta gueule, mais c'est toi get back, là. Pourquoi tu viens m'emmerder? Moi, je voulais juste ma chambre d'hôtel, c'est pas normal de se faire traiter comme ça, moi, je suis une cliente, hein. Au secours. Au secours. Oh, mais j'espère qu'il a arrêté de me suivre, hein. Oh, mais je vais appeler mon mari, ça va pas se finir comme ça! Je vois rien! Y'avait quelqu'un, non? Oh, mais j'ai plus de batterie! Au secours! Non, mais calmez-vous! Bon, je sais pas ce qui se passe dans cet hôpital, mais un jour on le saura sans doute, hein. Ah, bah lui, il est pas bien, hein. Il est tout dépecé! Qu'est-ce qu'on a comme voix de médecin? On n'a pas de voix de médecin. Il faudrait un médecin un peu fou. Genre, allô? Ah non, bah non. Genre, comment on pourrait faire? Un médecin un peu fou. Alors, ce patient aussi est hélas décédé. Et j'ai fait de mon mieux, mais je ne suis qu'un médecin, pas un faiseur de miracles. Et ce travail de docteur est encore nouveau pour moi. Alors je continue à faire des découvertes, bien sûr. En tout cas, il va falloir que quelqu'un dégraisse ce catastrophique projet Wall Reader. Bien sûr, on peut des sommes énormes depuis... non, pardon. On perd des sommes énormes depuis que ce truc a été lancé. Mais l'honneur de ce gamin, hein? Ce Billy, on y pense à ce Billy? Mais j'ai réussi à réduire des effectifs en vivant environ plus de 80 personnes, quand même. Oh non, c'est Cartman, là. Mais d'où une baisse de la masse salariale? D'où une baisse de la masse salariale? Attendez, ça part en couille. J'ai perdu mon personnage.
Roscu. À long terme, des économies retraite et de frais de santé, bien sûr. J'ai appris pas mal de choses sur la biologie. Ça n'a pas été facile. Mais je peux maintenant affirmer qu'un être humain ne peut pas vivre sans rein. Ah, mais ça, c'est mieux comme voix. Ah oui, ça, c'est une bonne voix, ça. Hein? On apprend tous les jours. On en apprend tous les jours. Ah oui, mais là, j'ai vraiment trouvé la voix du gros taré. Du gros médecin taré. C'est bon, on a trouvé la voix. Ah mais voilà, on va pouvoir lui dire bonjour. Ah, je crois qu'il a faim. Non mais il y a des gens partout. Dépêche-toi. Vite, ouvre la porte, espèce de con de merde. Pardon, les gros mots. Mais arrêtez d'être taré dans cette maison, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais non mais ils sont mille. Qu'est-ce que je fais? Comment je m'en sors moi dans la vie? Ah! Oh bah tu es moi. Ah mais y'a encore des gens qui veulent des autographes. Non mais laissez-moi tranquille. Je sais pas par là. Merde, je me suis mis dans la merde. Non mais laissez-moi tranquille. Arrêtez de... Vous pouvez pas m'avoir. Oh j'ai fait bugger le jeu. Regardez comme ils sont dans la merde. On a niqué le jeu. Bon, comment je vais m'en sortir par contre? Ah mais c'est par là qu'il faut que j'aille. Ah mais super, je suis pas mort. Bon je donne tout. Non c'est par là. C'est bientôt fini ou pas? Ta gueule. Ah c'est pas moi. Non mais trouvez-moi une solution. Chez. Bam. Arrêtez de me faire du mal. J'ai payé ma chambre. Arrêtez. Mais j'ai payé ma chambre. Mais vous êtes tout nu, monsieur le docteur. Ça va pas du tout, on fait pas des consultations comme ça, hein. Mais c'est pas un masque que vous avez, là. Il est déchiré, votre masque. J'appelle la sécurité de l'hôtel. Je sais pas pourquoi j'ai bougé ma tête dans la vraie vie. Les enfants, fermez les yeux, mais vous allez pas être là, les enfants! Oh la gueule! Mais ça va! Non, mais ça va peut-être aller là! Oh, regardez, mais on est mis, oui! C'est dégueulasse! Ouais! Bonne journée, docteur! Moi, j'étais venu pour une rage dedans à la base, hein. C'est un peu con ce qui vient de m'arriver quand même, hein! Hein? Bon! Pas sûr que ce soit le meilleur moyen de réparer une rage dedans, hein. Peut-être penser à appeler un avocat. Non mais ça va, oh ouais. Oh, faut rester digne un peu, hein. Ça y est, j'ai perdu un doigt. Non mais c'est plus ce que c'était, hein. Oh mais non. Qui a foutu le feu à la cantine? Comment je vais manger mes petits Suisses? Oh, vous cassez les couilles, hein! Oh, les enfants! Oh non, là, les enfants, c'est chiant, hein! Il fallait que je mette le feu, que je fasse tout brûler! Oh, mais ta gueule! Et mes petits Suisses, dans l'histoire, ils sont où? Ah bah voilà, on s'amuse avec les allumettes, et au final, y a plus de cantine! Bah super, hein! Comment je vais raconter ça au directeur? Eh bah, c'est pas possible, je vais me faire virer, moi aussi! Oh, y en a marre, hein, de ces gosses! Au secours! Oh, un document. Qu'est-ce qu'il nous dit, le document? Brochure de... sur le syndrome psychopathologique de stress de proximité. Si vous voyez des choses, dites-le. Oh, il gueule, il a mis le caps lock. Si vous voyez des choses, dites-le. Le syndrome psychopathologique de stress de proximité, SPSP, n'a rien de honteux, ok? Alors parlez-en à votre médecin. À l'école, tu sais, il y a des infirmières qui viennent voir les enfants pour parler de sexe et tout le bazar, là. Et t'as une infirmière complètement tarée. Parlez-en à votre superviseur afin d'obtenir de l'aide d'un conseiller en réussite de Murko. Au secours. Alors, bon, visiblement,
On doit trouver un deuxième van. Ah non, une van, parce qu'un van. Ah, rien à voir. Rien à voir avec ce petit. Ce petit véhicule motorisé à 4 roues, inventé dans les années 90. Ah, au fond que j'aille. Oh là, il y a un casier, je vais me cacher là. Je sais pas pourquoi les employés de cette entreprise sont beaucoup trop terrifiés. Allô ? Ah là, là, ça sent la vanne, ça sent le van là. Ah oui, regardez. Oh, cette odeur de vanne. Attendez, on est pas loin d'une vanne là. Oh mais oui, je suis trop fort. Oh, mais ça, c'est ma mémoire, c'est à force de travailler ici, forcément. Oh là là, je me casse à tout jamais de cet établissement. Oh là là, Rita. Oh, vous mourrez jamais, vous êtes beaucoup trop lent. J'ai eu des cours d'endurance quand j'étais plus jeune. Et dans le cul, Jamy. Eh oui, eh oui. Nous devons tous endurer ceci. Et vous êtes presque au bout du chemin, bien sûr. Ah ! Car le seul chemin qui mène au paradis est celui de la croix, bien sûr. Et chaque homme a besoin de quelqu'un d'autre pour y planter les clous. Hein ? Quoi ? Qu'est-ce que je suis en train de dire ? Je suis là pour vous. Je vous ai précédé, mais je vous attends. Merci, Père Paul, merci ! On n'a rien compris, mais c'était très enrichissant. Ah bah oui, hein. Et peut-être qu'il est pas méchant, lui. Vous en dites quoi? Hein? Qu'est-ce que vous en dites qu'il est pas méchant, hein? Il a pas l'air méchant, en fait. J'ai cherché à m'enfuir tout à l'heure, mais il a pas l'air méchant. Hein? Vous êtes pas méchant. Ah ah. Mais si, ils sont très méchants, en fait. Non, 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 non. Oh là là. Oh, je donne tout, vous mourrez jamais, de toute façon, je suis beaucoup trop rapide pour vous. J'étais entraîné à l'école de Konoha.